Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre. À l'occasion du 2012e anniversaire de sa naissance supposée, nous parlons aujourd'hui du Messie des chrétiens, Jésus-Christ. C'est en réalité vers moins 6 ou moins 7 avant notre ère que serait né Jésus-Christ, comme l'a reconnu Benoît XVI dans son livre paru récemment, L'enfance du Christ, ouvrage dans lequel il s'interroge sur ce qui est vrai, entre guillemets, dans l'histoire du Christ. Il se demande par exemple si la naissance virginale de Jésus relève du mythe ou de la réalité, pour réaffirmer in fine que ce mystère du commencement est l'un des piliers de la foi chrétienne. En tout état de cause, avec cet ouvrage, troisième d'une série visant à éclairer la vie de Jésus, le pape livre sa vision d'un débat sans cesse renouvelé sur le rapport entre réalité et fiction dans ce que l'on dit au sujet du Christ. En choisissant de tenter, nous aussi, un portrait de ce Galiléen du 1er siècle, c'est également cette question que nous avions en tête. Parler de la vie et de l'œuvre de Jésus, c'est tourner autour de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, ou peut-être pas, ainsi que de la manière dont s'est transmise cette histoire à travers les siècles. Une histoire sur laquelle nous revenons donc aujourd'hui, nous, c'est-à-dire Mathieu Garrigou-Lagrange et Anne Sécheret. La passion, c'est l'acmé de ce récit qui s'est écrit sur plusieurs siècles et même presque deux millénaires. La vie de Jésus-Christ, en tout cas la vie de Jésus de Nazareth, on ne connaît pas cette vie-là. Ce qu'on connaît, c'est différents récits qui en ont été faits, qui ont été élaborés à partir d'éléments de cette vie d'un personnage juif de Galilée qui était prédicateur, itinérant probablement, dans ces régions. Ça a été construit comme cela pour qu'il y ait cette césure que la mort, qui était une mort ignominieuse, une mort de bandit, une mort de renégat, que cette mort-là, qui était le comble autant pour les juifs à l'époque que pour les romains, le comble de la déchéance, que cette mort devienne l'événement autour duquel allait se raconter une histoire nouvelle. Il a été torturé, vraiment, pendant une bonne partie de la nuit. Jacques Duquesne. Les évangélistes disent qu'il a été frappé, etc. Tous les évangiles ne sont pas tout à fait concordants, ni tous aussi détaillés, bien sûr. Enfin, il a été frappé, cinglé de coups de roseau, d'épines, etc. par les légionnaires romains, qui n'étaient pas des tendres, vous savez. Bon, c'était une sorte de légion étrangère, surtout en Palestine. Vu de Rome, c'était une petite colonie. La Palestine, c'était pas grand-chose d'important. Donc, on n'envoyait pas les meilleures troupes. Alors, c'était un peu des soudards qu'il y avait là. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie ! Lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les crucifixions étaient plutôt réservées aux voyous, des gens qui étaient des esclaves révoltés. Il y avait eu quelques affaires très significatives comme ça, de grandes révoltes d'esclaves dans l'Empire romain qui avaient été traités de cette manière. Ça a une symbolique particulière. À l'époque, les Romains, par exemple, n'étaient pas crucifiés eux-mêmes. Les citoyens romains n'étaient pas crucifiés, non. Et les Juifs, entre eux, lapidaient plutôt, par exemple, après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, un des premiers martyrs chrétiens qui s'appelait Étienne, et dont la fête est située justement au lendemain de Noël, parce que c'était le premier martyr, en gros, lui a été lapidé. Donc on lapidait plutôt... Ça, c'était plutôt une affaire romaine, la crucifixion. Et donc, voilà un personnage qui, d'abord, subit un procès assez long, puisqu'il y a des interrogatoires. On le traîne, d'une part, chez l'ancien grand prêtre, puis chez le grand prêtre nouveau en fonction. Ensuite, il est livré aux soldats qui s'amusent à le bafouer de diverses manières. Et ensuite, on le traîne dans Jérusalem jusqu'au lieu de la crucifixion. Bon, évidemment, Jérusalem, c'est pas le Jérusalem d'aujourd'hui. Tout ça, c'est un petit terrain pas très immense. En tant qu'historien, et je ne suis pas spécialiste, mais j'ai beaucoup travaillé quand même sur ces reliques de la Passion, on peut considérer que, jusqu'à preuve du contraire, elles sont authentiques. Jean-Christian Petit-Fils. Étrangement, donc ces trois linges qui ont connu des parcours historiques très différents présentent des caractéristiques semblables, notamment au niveau des taches de sang, ce qui est assez frappant.
Les taches de sang se recoupent. Ils sont au même endroit sur les différentes... Exactement. Sphères. Notamment la croix, par exemple, pour la tunique, évidemment. Et pour le suaire, on voit des taches sur le visage. C'est un linge de 50 cm sur 80 cm sur lequel il y a des taches de sang, c'est tout, qui est conservé à la cathédrale d'Oviedo. Eh bien, les taches de sang se superposent avec celles qu'on retrouve dans le linceul de Turin. Donc, c'est quand même difficile de dire que le linceul de Turin est un faux du Moyen-Âge. Et le groupe sanguin est le même. C'est un groupe AB, 4% de la population mondiale, donc ce qui est extrêmement rare. Voilà, on a donc d'autres preuves aussi, notamment on a retrouvé une couture sur la bande latérale du linceul de Turin qui montre que c'est une technique tout à fait particulière de couture et une spécialiste des tissus anciens, Mme Fleury Limberg, nous dit qu'il n'y a qu'un seul exemple qu'elle connaît, c'est un linge qu'on a trouvé à Masada en l'an 73 de notre ère, donc au moment où la grande révolte juive, c'est la dernière citadelle qui résiste et qui tombe assiégée par les Romains, eh bien on a retrouvé des linges et notamment cette même technique de couture et il n'y en a pas d'autre dans l'histoire et surtout pas au Moyen-Âge. Et donc ce linceul, analysé par divers scientifiques, recèlerait des traces d'une substance sécrétée par le foie en cas d'angoisse extrême. Et ça, plus les taches de sang, vous permettent de reconstituer le calvaire du Christ. Voilà, donc ce sont encore une fois ce sont des hypothèses. L'historien ne pose que des hypothèses, hein, bien sûr. Mais on voit tout de même sur le linceul de Turin des traces de la flagellation, 120 coups de fouet, avec des petites haltères métalliques, des petites billes. On voit même au microscope électronique la barre qui réunit les deux haltères et puis une trace de liquide provoquée par les coups de fouet. Donc 120 coups de fouet, c'est quelque chose de terrible. Les Juifs s'arrêtaient à 39 coups. Ils n'avaient pas le droit d'aller jusqu'à 40 et pour ne pas se tromper, eh bien, ils s'arrêtaient à 39 coups. 39 coups, c'était déjà fort. Là, d'après les recherches, on sait que c'est un flagrum romain, un fouet très particulier qui arrache la peau. Et on voit des traces de sérum autour de chaque petite haltère. On voit ça au microscope électronique, on voit ça en fluorescence. Enfin, il y a eu des analyses qui ont été faites qui montrent que, bien entendu, ce n'est pas reproductible. Si on avait voulu fabriquer un faux, on n'aurait pas été jusque-là. Parce qu'on descend dans un détail absolument inouï. Et donc, si on considère que ce linceul est authentique, eh bien, on voit une flagellation terrible. C'est une peine en soi. Et ça apparaît très nettement dans l'évangile de Jean, qui est pour moi le plus historique, et non dans les évangiles synoptiques où on a l'impression qu'il s'agit de la peine qui accompagne la crucifixion. Car en effet, quand on crucifiait, quand les Romains, on donnait, pour affaiblir le condamné, quelques coups de fouet, une vingtaine de coups de fouet. Là, on a quelque chose qui est épuisant et ce qui va faire comprendre pourquoi Jésus meurt très rapidement, plus rapidement que les deux brigands qu'on va crucifier en même temps que lui. Les crucifixions étaient assez rares, donc il devait y avoir un certain nombre de curieux. Cela dit qu'il y a une foule considérable. Non, il y a un phénomène qui joue en faveur du fait qu'il y ait un certain nombre de gens, c'était que c'était la Pâque déjà pour les Juifs, donc il y avait quand même une population juive qui venait de toute la Palestine, mais aussi de l'actuelle Libye, par exemple, parce que la diaspora juive existait depuis longtemps. Toute la Méditerranée était peuplée de Juifs, au point qu'ils ne parlaient même plus leur langue, les Juifs de la Méditerranée, et qu'on avait dû traduire la Bible juive en grec pour que les Juifs qui étaient éparpillés dans la Méditerranée puissent lire la Bible. Donc ces gens-là étaient en principe, ils ne venaient pas tous les ans pour la Pâque à Jérusalem, ils n'en avaient pas les moyens, etc. Puis ils n'avaient pas les moyens de les héberger. Mais enfin, il y en avait quand même un certain nombre qui venaient. Donc on peut imaginer qu'il y avait une foule plus importante que si ça s'était déroulé à une autre période de l'année. Et alors dans la foule, Jacques Duquesne, y a-t-il Marie ? Ça, c'est un problème qui est discuté et discutable. On ne sait pas. Il y a un évangile qui dit que Marie y était, c'est l'évangile de Jean. Mais il y a surtout Marie-Madeleine, le personnage essentiel au pied de la croix à cette époque, c'est Marie-Madeleine. Quand Jésus meurt, etc., il y a un bloc de femmes
Le rôle des femmes dans l'Évangile est considérable. L'Église a été souvent misogyne, mais pas l'Évangile, et Jésus n'était pas misogyne. Paul, c'est un autre problème, hein, mettons à part Paul. Et donc, Marie et plusieurs femmes, dont je pense Jeanne, la femme de Chouza. Chouza, c'était l'intendant d'Hérode. C'est une sorte d'édarque, si vous voulez. Et sa femme suivait Jésus. Il devait avoir des problèmes, ce pauvre Chouza. Mais bon, donc, ces femmes-là sont restées au pied de la croix longtemps, même quand il est mort, et ont suivi ensuite Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, justement, c'était un de ces pèlerins qui était venu à Jérusalem pour la Pâque. Mais il venait pas de très loin et il avait d'ailleurs prévu d'être enterré à Jérusalem puisqu'il avait fait creuser déjà son tombeau non loin du lieu du calvaire. Et c'est donc lui qui va demander aux Romains et aux autorités religieuses juives de pouvoir enterrer le corps de Jésus dans son tombeau à lui qui était vide. Et donc ces femmes sont restées, Marie-Madeleine et quelques autres, elles restent figées comme un bloc parce qu'elles espèrent que Jésus n'est pas mort, jusqu'à la dernière minute, elle croit. On était dans un monde beaucoup plus bouleversé qu'on ne l'imagine, même que les historiens de l'Antiquité aujourd'hui encore le disent. On est dans un monde vraiment, on est dans une période du monde, dans une région du monde qui était en implosion. D'ailleurs, ça s'est vérifié, puisque en 70, c'est la destruction du Temple de Jérusalem. Quelques années plus tard, on rase quasiment Jérusalem. Hein. Et quelques années encore plus tard, c'est la fin de l'Empire romain. Enfin, donc, on est dans un moment de grande crise du monde de l'époque. Hein. Et ensuite, eh bien, très probablement, l'enseignement de ce personnage, de cet homme, était un enseignement bouleversant qui a provoqué un électrochoc. Quelles sont au fond les raisons de l'arrestation de Jésus-Christ ? Est-ce que ces raisons ne sont pas avant tout des raisons de maintien de l'ordre et des raisons politiques ? C'est clair que les raisons politiques et les raisons religieuses se mêlent dans cette affaire, puisque le pouvoir juif est un pouvoir un peu théocratique, enfin c'est un pouvoir religieux en même temps que politique. Et le grand prêtre, qui a autour de lui une caste de grands prêtres, bien sûr, et le Sanhédrin en plus. Donc tout ce pouvoir-là, les lois des Juifs sont des lois sur l'organisation de la vie quotidienne, les règles, les fêtes, le calendrier qu'il faut respecter et qui rythme la vie sociale. Donc c'est un monde théocratique, comme Israël l'est un peu encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai que les lois d'Israël tiennent tout à fait compte des exigences religieuses, beaucoup plus que nos lois à nous en France. Donc c'est clair que la condamnation de Jésus, d'une part, c'était un prêcheur qui mettait en cause le pouvoir religieux de l'époque, dans la mesure où il présentait un message nouveau. On vous a dit, moi je vous dis. C'était en permanence cela. Alors il se référait à quelques prophètes, bien sûr, mais il se présentait comme l'accomplissement des prophètes en même temps. Les autorités juives ont perdu à ce moment-là, peut-être en l'an 30, d'après ce que nous disent les textes du Talmud, la possibilité de condamner à mort quelqu'un. Sauf cas de blasphème et dans le temple ou scandale immédiat. Les Romains leur ont interdit. Les Romains leur ont interdit, puisque c'est la puissance de tutelle et la puissance occupante. Donc l'idée, c'est de se saisir de Jésus. Les violences ont suivi cette séance d'âne parce qu'on a prétendu que Jésus avait parlé insolemment au grand prêtre. Et puis, l'idée, c'est de le livrer tout de suite au préfet romain, Ponce Pilate, en lui disant « Voilà, nous sommes de bons collaborateurs, nous avons saisi un agitateur, c'est à toi maintenant de t'occuper de lui. » Donc à la fois, on se met en valeur et en même temps, on met de côté un élément potentiellement dangereux pour le Sanhédrin, c'est ça ? Voilà. D'un point de vue religieux, la condamnation est formelle du côté des autorités juives et notamment des pharisiens qui sont scandalisés du comportement de Jésus. Et de l'autre, eh bien, il faut le présenter comme un révolutionnaire
pré-zélotes, parce que le mouvement zélote est quand même très postérieur, ça date des années 66, mais de montrer quelqu'un qui veut soulever la Palestine contre les Romains. Il y avait déjà eu, à la mort d'Hérode le Grand, des mouvements de soulèvement et qui avaient détruit la ville de Séphoris. Laquelle ville de Séphoris se trouve à une heure de marche de Nazareth. Et très vraisemblablement, Jésus, dans sa jeunesse, quand il avait 12 ou 13 ans, a vu les quelques 2000 croix, en tout cas quelques-unes des 2000 croix, qui ont jalonné les routes pour punir les révoltés conduits par Judas le Galiléen ou Judas de Gamla. Et donc Jésus-Christ représente une menace importante, vous pensez, pour les grands prêtres, au point qu'ils aient envie de s'en débarrasser? Je crois, oui, parce que bon, leur seul pouvoir à eux, étant donné que les Romains étaient là, les Romains n'étaient pas des colonisateurs terribles. Hein. D'abord, la Judée vue de Rome, vous vous rendez compte, c'était pas grand-chose. Hein. Et Pilate, c'était pas un gouverneur terrifiant non plus. Mais quand même, les grands prêtres, leur seul pouvoir était un pouvoir religieux, bien sûr, avec des incidences politiques. Vous savez, toujours des hérésies, enfin, si l'on peut dire. Il y avait de multiples groupuscules, comme les pharisiens, comme les gens qui avaient suivi Jean-Baptiste, qui ne reconnaissaient pas Jésus. Donc c'était ça, c'est un monde très divisé sur le plan religieux. Il y avait beaucoup de prophètes? De gens qui se prenaient pour des prophètes, oui, ça il y en avait beaucoup. Et de gens qui faisaient des espèces de miracles ou des exorcismes. Alors les exorcismes, il n'y avait pas plus de démons qu'aujourd'hui, hein, je ne crois pas. Le problème c'est que c'était les crises de nerfs, les épilepsies, etc. Ça il y avait beaucoup et maintenant... Là, tout le monde, même les analystes de l'évangile les plus conservateurs, reconnaissent que quand on dit que Jésus chassait les démons, souvent il était un peu guérisseur. Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est un peu une pierre, Jacques Duquesne, dans le jardin des croyants, le fait qu'il y ait eu beaucoup de prophètes qui faisaient des miracles, et donc à un moment donné, ce nouveau prophète, Jésus, qui lui aussi fait des miracles, qui s'apparente sans doute à des activités de guérisseur. Oui, bien sûr, mais Jésus en plus apportait un message nouveau, bien plus riche que la plupart, n'est-ce pas ? Ce message d'amour absolu, si on le respecte, si on l'entend, etc., et qu'il applique, lui. Par exemple, son attitude à l'égard de la femme adultère. Oh, c'est extraordinaire, la femme adultère, les gens veulent la lapider. Et Jésus dit quand même que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et alors l'évangile dit qu'il s'en allait peu à peu, à commencer par les plus vieux, parce que les plus vieux avaient plus à se reprocher. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. » Patrick Bannon, vous avez en face de vous deux textes qui sont des sources historiques et qui attestent de l'existence de Jésus. Quelles sont ces sources ? Eh bien, ce sont des textes de Flavius Josèphe. Flavius Josèphe qui est le témoin par excellence, le témoin oculaire réellement, qui a écrit, qui était présent, qui a raconté la fin du judaïsme du Temple et le début du christianisme. Quand vous dites qu'il était présent, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a... Ces livres ont été publiés à partir de 79. Voilà, donc c'est un peu après, mais c'est le plus contemporain que nous ayons. Alors, ce témoignage historique, c'est déjà celui sur l'existence de Jésus. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce témoignage-là, à mon avis, que les textes de Flavius Josèphe ont traversé 2000 ans d'histoire. Alors, vers le même temps survient ou naît Jésus,
habile homme, si du moins il faut dire homme. Il était en effet faiseur de prodiges et maître de ceux qui reçoivent avec plaisir des vérités. Il se gagna beaucoup de juifs et aussi beaucoup du monde hellénistique. Le Christ, c'était lui. Et Pilate l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui avaient été satisfaits ou qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas. Il leur apparut en effet le troisième jour, vivant à nouveau. Les divins prophètes ayant prédit ces choses étonnantes et 10 000 autres merveilles à son sujet, et jusqu'à présent, la race ou la tribu des chrétiens n'a pas disparu. Finalement, c'est un personnage de l'Antiquité pour lequel on a beaucoup, beaucoup de témoignages écrits. Frédéric Boyer. Puisque le corpus des écrits chrétiens est quand même assez important. On a 4 vies de ce qu'on appelle les évangiles. Se sont calqués sur les vies que l'Empire gréco-romain connaissait bien, des vies de gens illustres. Hein, c'est des bios, comme on dit en grec, donc des vies de gens illustres. Les évangiles se calquent. Donc on en a 4 récits. On en a beaucoup plus, puisqu'il y a eu aussi des apocryphes, mais on peut considérer que c'est de la géographie. On a aussi quand même quelques sources romaines, de Pline le Jeune, Tacite, Lucien de Samosate, bon, des gens qui évoquent les adeptes d'un certain Christos, qui rapportent la mort d'un prédicateur juif de Nazareth sous Ponce Pilate. Bon, donc on a des éléments. Et on a aussi, et c'est ça tout le côté paradoxal de ce Jésus-Christ dans notre culture, c'est qu'on a aussi tout ce qui a été produit à la suite du récit chrétien dans l'art, dans la littérature, dans la culture occidentale, où on a le sentiment, même que vous soyez croyant ou non, on a le sentiment de bien le connaître, hein, puisqu'il a été des millions de fois représenté, il a produit des tas de récits. Donc on a le sentiment, effectivement, d'une familiarité, mais c'est paradoxal, parce que cette familiarité, finalement, historiquement, on a peu de choses, malgré tout, puisque les évangiles ne sont pas des récits historiques au sens strict. Bien sûr, à l'époque, le rapport à l'histoire n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et qu'il s'agit moins de témoigner de la vie historique de ce Jésus de Nazareth que de témoigner d'un enseignement qui va devenir fondateur pour ceux qui vont suivre cette voie. Il y a aussi des sources plus orales et qui seraient à la base des évangiles dits synoptiques. Tout à fait. Là, donc, on aborde les évangiles canoniques, qui sont les seuls, du point de vue des historiens, à nous donner des renseignements sur Jésus. Ces textes sont des textes de foi, bien sûr, mais il est normal, naturel, que l'historien les considère comme des documents d'histoire, à condition de les traiter en documents d'histoire. Bon. Et toute la question, c'est en effet de savoir s'il n'y a pas eu déformation, dénaturation de l'histoire même de Jésus par la foi. Et par le fait que ce sont des histoires orales qui se répètent, voilà. Et qui alors, peuvent tout à fait potentiellement alors, être transformées. Au commencement était la parole, en quelque sorte, c'est-à-dire la tradition orale. Cette tradition orale, elle a été étudiée très attentivement par les chercheurs, notamment un Suédois qui s'appelle Gerhardsson, un Français Marcel Jousse, Pierre Perrier, Frédéric Guiguin il n'y a pas très longtemps, montrant l'importance des techniques de mémorisation rabbinique, qui était un usage du temps de Jésus. Les rabbis, les maîtres, avaient autour d'eux des étudiants qui écoutaient, retenaient par des moyens mnémotechniques et étaient capables, nous dit-on, de mémoriser des chapitres entiers, voire des petits livrets, de les réciter presque mot pour mot. Probablement s'ajoutait aussi, on le pense parce qu'on a retrouvé des tablettes de cire et des écritures en abrégé, donc de tachygraphie ou sténographie. Ces élèves prenaient des notes sur des petites tablettes de bois recouvertes de cire. On pouvait effacer et changer la cire ou au contraire, on gardait ces tablettes, on les attachait avec un fil ou une ficelle et puis ça formait un petit livret. Alors là c'est chez les rabbis juifs. On peut penser qu'avec un rabbi aussi exceptionnel, aussi extraordinaire que Jésus, on a pu utiliser la même technique. Il ne faut probablement pas exagérer la tradition écrite, mais elle a dû commencer assez tôt. L'essentiel, c'est la tradition orale. Cette tradition orale, elle va, au bout de quelques années, se matérialiser dans des aides-mémoires pour ceux qui n'ont pas accompagné Jésus, mais qui sont des prédicants. Et ces aides-mémoires vont après donner lieu aux évangiles. Alors pour que cette histoire tienne debout, Frédéric Boyer, il faut puiser
dans ce qui deviendra l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui justifie dans l'histoire de la vie de Jésus, qu'est-ce qui le justifie par rapport à ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament ? D'abord, son enseignement, puisque Jésus de Nazareth est un prédicateur juif, son enseignement est de plein pied dans la tradition. Ensuite, c'est toute une longue pratique de ce judaïsme qui était de s'inscrire dans la mémoire d'une écriture, d'une tradition, en sachant que ces écritures s'accomplissaient. Donc, Jésus va s'inscrire dans cette tradition herméneutique, si on me permet ce mot, c'est-à-dire le fait que les écrits anciens, la tradition écrite que l'on se transmet de génération en génération, de père en fils, cette tradition forme notre existence et même informe notre existence. Donc ça, c'est très fort. Et le christianisme qui naîtra après, justement, dans le sillage de Jésus de Nazareth, le christianisme va s'inscrire de plein pied et même va, d'une certaine façon, je dirais, accélérer cela, puisqu'il va prôner ce qu'on appelle l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire en Jésus, le Christ, les Écritures anciennes s'accomplissent, se réalisent. Mais cela, le Christ ne le dit pas, il le vit vraiment. Mais comme tout grand juif fervent de l'époque. Déjà, les évangiles canoniques, ceux qui obéissent à la règle de vérité, ceux qui sont reconnus et qui seront reconnus par l'Église à partir du 4e siècle, sont d'abord des textes anonymes. À partir de la fin du 2e siècle, ces textes sont attribués à des apôtres. À partir donc du 4e siècle, il y a une liste qui est faite des textes inspirés, des textes saints, dont font partie donc les fameux quatre évangiles. Il y a, à partir du IIe siècle aussi, une série de textes qui vont être listés vers le VIe siècle et considérés apocryphes, c'est-à-dire qu'il faut cacher. Il y a environ 70 textes. Les trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, et le quatrième, celui de Jean, ne sont attribués que très tardivement aux apôtres. Ils sont anonymes. Les textes considérés apocryphes, qui s'étalent entre le 2e et le 5e siècle à peu près, il y en a des plus tardifs, mais enfin ils sont anecdotiques, sont anonymes aussi. Ils se réclament de personnages, ils se réclament d'apôtres, c'est pour ça qu'on parle de proto-évangile de Jacques ou de pseudo-Thomas pour un évangile, en sachant bien que ce ne sont pas ces personnes-là qui les ont rédigés. Maintenant, est-ce qu'ils sont pertinents ? Voilà la vraie question. Ça appartient à la littérature populaire, romanesque, pittoresque. Ça montre que ça nous renseigne davantage sur les milieux chrétiens, les premiers chrétiens, que sur la vie de Jésus. On va essayer de remplir les blancs et les trous dans la vie de Jésus, notamment l'évangile de l'enfance. Alors, il y a l'évangile arabe de l'enfance qui va nous raconter que le petit Jésus, un jour, façonnait avec de la terre glaise un petit oiseau, et puis qui se mais à souffler dessus, et l'oiseau s'envole. Voilà le genre de légende pieuse. On voit aussi que Jésus, bousculé par un camarade, tend brusquement le doigt vers ce camarade et immédiatement, l'enfant tombe raide mort. Oui, mais est-ce que c'est plus impossible que la résurrection de Lazare ? C'est pas du tout dans la même trame et dans la même annonce du message. Ce sont des histoires pittoresques. Alors, il y en a un évangile un peu particulier qui est le proto-évangile de Jacques, qui date à peu près de l'année 150, où il est beaucoup question de Marie, des parents de Marie, et nous donnant les noms des parents de Marie, Anne et Joachim, qui ont été utilisés dans toute la tradition chrétienne, Sainte Anne Dorée, et puis toutes les reproductions de l'enfance de la Vierge. Est-ce qu'il y a des éléments historiques là ? C'est possible, mais les spécialistes considèrent que le proto-évangile de Jacques n'appartient pas au milieu palestinien. C'est quelque chose qui se situe vraiment en dehors, mais qui montre en tout cas l'insistance des premières communautés sur le culte rendu à Marie. C'est tout ce qu'on peut en dire. Bien sûr, on est dans le merveilleux. Et quelquefois, ça va même très loin. Mais d'autres fois, ça répond tout simplement à des questions. Est-ce que Joseph pensait vraiment que Marie était vierge ? Est-ce qu'il l'a cru tout de suite ou est-ce qu'il a mis du temps ? Il faut plutôt voir les apocryphes comme, je dirais, une religion populaire, c'est-à-dire l'expression populaire de la foi. C'est une photographie de ce que les premiers chrétiens espèrent ou voient à tort ou à raison, dans le message du christianisme. Pour l'Église copte, pour les orthodoxes, certains sont considérés acceptés. Voilà, donc tout dépend vraiment de l'environnement historique,
de la place que chacun réserve à Jésus. Est-il Dieu incarné sur terre? Est-il divin ou est-il un messager? Voilà, on en est là. Les évangiles canoniques ne sont pas devenus canoniques du jour au lendemain et on ne s'est pas dit, bah, tiens, celui-là, il est canonique. Voilà, ça, en gros, le canon chrétien a mis 5 siècles à s'établir. Hein, 5 siècles, donc c'est pas rien. Avec des débats, imaginez aujourd'hui un texte qui mettrait 500 ans à être bon, donc, ça fait beaucoup. Avec des débats à n'en plus finir. C'est pour dire que ce qui a été décidé après Apocryphe, pendant 5 siècles, n'était pas forcément comme ça. Même si, il faut dire, très vite, certains écrits se sont imposés. Mais c'était... Et ils se sont imposés pour quelle raison? D'une part parce que la tradition à l'origine de ces écrits était peut-être plus forte. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, les évangiles ont été écrits par des communautés qui voulaient que leur témoignage concernant le Christ soit consigné. Donc, il y avait des communautés plus fortes, plus importantes, des traditions plus théologiques que d'autres. Par exemple, l'évangile de Jean est unique en son genre, est un véritable document de théologie. Pourquoi il a été retenu? C'est l'évangile le plus tardif. Il date probablement du début du 1er siècle, et même plus tard encore. Mais c'est un évangile théologique, on n'en a pas d'autres exemples. Donc effectivement, sa force était là. Ensuite, peu à peu, un enseignement... Ce qui est beau dans les critères que l'on peut deviner de discrimination des textes, ce qui est beau, c'est que finalement, les textes évangéliques qui ont été retenus comme canoniques sont ceux qui sont le moins imaginaires, le moins miraculeux, où il y a le moins d'histoires extraordinaires, qui sont les plus sobres d'une certaine façon. Je mets un peu à part Jean, parce que c'est un tout autre genre, justement. Mais les trois autres, effectivement, même... Dans Matthieu et Luc, l'évocation des origines divines et des origines surnaturelles de la conception de Jésus reste relativement énigmatique. Donc au fond, on choisit le plus crédible, celui qui a l'effet de réel le plus grand. Sûrement, d'abord sûrement, et en même temps, on choisit celui qui va rester le plus énigmatique. Voilà. Parce que, et ça c'est très fort même dans le storytelling, si vous voulez, c'est très fort, on ne va pas tout expliquer. Voilà. Parce qu'effectivement, la force de cette matrice narrative, c'est qu'il restera toujours quelque chose que vous ne comprendrez pas, un vide, une absence, un manque, qui va vous pousser à vous investir dans la narration. L'historien Jean-Christian Petit-Fils. On peut considérer, mais c'est tout ce qu'on peut dire, que la multiplication des pains a eu un impact, un rôle très important comme signe messianique pour les premiers chrétiens. Il y a donc 6 récits de la multiplication des pains. Il est difficile d'admettre qu'il s'agit simplement d'un repas tiré du sac avec un partage fraternel, comme certains voudraient le dire. Mais... Oui, il y a cette idée qu'effectivement, la fraternité, Jésus galvanisant les foules, finalement, chacun aurait partagé son repas les uns avec les autres. C'est ce qui a été dit. Mais il faut voir qu'aussitôt après ce miracle, la foule enthousiaste veut prendre Jésus et en faire un chef de guerre, un roi, veut l'introniser roi. Donc, ce qui montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et simplement, Jésus est obligé de s'enfuir dans la montagne pour ne pas être pris par ses compatriotes et évidemment attirer sur lui les troupes d'Hérode Antipas, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'un miracle qui a eu lieu en Galilée. Enfin, moi, ça ne m'amuserait pas d'essayer de rationaliser chaque phénomène, même si je sais que ça doit être possible. L'écrivain Tanguy Vielle. Que pratiquement tous les cas de figure ont été démantelés, réexpliqués par rapport aux effets, par exemple, de magie de l'époque ou de tentatives, ou tout ce qui est thaumaturge, enfin voilà. Donc en fait, à peu quelque chose près, Jésus est une forme de guérisseur. Enfin, on arrive à peu près à comprendre comment il a suffi simplement de pousser un peu les curseurs de la réalité pour obtenir une forme miraculeuse. Mais du coup, moi j'y crois, voilà, je crois à chaque miracle comme un fait littéraire. Mais alors finalement, qui est-ce qui est l'acteur réel du christianisme? Puisque si c'est ceux qui racontent, qui font le christianisme, cela signifie que Jésus, au fond, n'a quasiment pas de prise sur la chrétienté, puisque lui-même n'est qu'un personnage, en fin de compte, et que ce qui compte, c'est le récit.
C'est ce que je crois, moi. Voilà. Je crois qu'effectivement, la question n'est pas de croire en un gourou qui informerait tout depuis 2000 ans. Voilà. Mais il y en a qui peuvent s'inscrire dans ce schéma-là, mais ce n'est pas le mien. La question est effectivement, qui est beaucoup plus énigmatique et passionnante à mon sens, c'est qu'effectivement, progressivement, cette histoire, c'est le désir de composer une histoire à partir de l'apparition de quelqu'un. Ça s'est fait probablement au début par quelques disciples, quelques adeptes, comme ça, qui peu à peu ont transmis cette histoire et ont commencé à raconter une histoire, à construire une histoire qui s'est élaborée de façon longue et en profondeur. Et effectivement, c'est la question de la croyance. La question de la croyance, c'est un récit. Je raconte ce en quoi je crois et c'est en racontant que je crois. C'est ce qui fonde même la force du christianisme. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar. Jean-Christophe Petit-Fils, à quoi ressemble Nazareth au moment où Jésus naît ? Nazareth, c'est un tout petit village qui a été fondé peut-être au IIe siècle avant notre ère par un groupe qui s'appelle les Nazoréens, qui a voulu ressusciter, enfin recréer un village. On sait qu'il y avait des ruines qui remontaient au 6e siècle. C'est ce que nous dit l'archéologie, 6e siècle avant notre ère. Et puis entre le 6e et le 2e, il n'y a rien. Ils avaient établi un premier village donc à Nazara, et un second de l'autre côté du Jourdain, à Kokaba, qui veut dire l'étoile. Donc Nazara, le petit rejeton de la souche de Jessé, père de David, et puis Kokaba, c'est l'étoile. Donc on voit bien là la filiation davidique. Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. L'imagerie habituelle, c'est il y a Marie, il y a Jésus, il y a Joseph pendant quelque temps, et puis il meurt probablement assez vite. Jacques Duquesne. Mais on a l'impression d'une petite famille comme ça, ils sont fermés, etc. Mais Nazareth, c'est un petit village où les gosses courent d'une maison à l'autre, les maisons, c'est des baraques, elles sont collées les unes contre les autres, les gosses mangent une fois chez l'un, une fois chez l'autre, etc. Toute l'imagerie traditionnelle des images pieuses que j'ai vues moi dans mon enfance, on voyait un petit Jésus en prière avec sa maman qui le regardait comme ça, les tableaux que vous pouvez voir dans les musées et tout ça, c'est faux évidemment. C'était un petit patelin où les gens vivaient les uns sur les autres. Et c'est pourquoi quand il revient, quand il a commencé à faire des miracles et que les gens disent bah, « lui on le connaît bah, », c'est Jésus le fils de Marie et de Joseph. Qu'il ait existé des frères et des sœurs de Jésus, je le crois et je ne suis pas le seul à le croire, puisqu'il y a des textes qui parlent très clairement des frères de Jésus. Il y a un texte, par exemple, des Actes des Apôtres qui dit qu'après la mort de Jésus, les apôtres étaient réunis pour prier avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères et les disciples. Avant qu'arrive l'épisode qu'on appelle la Pentecôte, ils sont réunis là pour prier à Jérusalem. Bon. Et il y a d'autres scènes aussi, quand il n'était pas en train de prêcher à travers la Palestine. Jésus habitait à Capharnaüm. Il y a une scène qui est relatée par les évangiles, où il est en train de prêcher et tout à coup, sa mère et ses frères, disent les textes, vont le voir parce que quand même... Il trouve que ce qu'il prêche n'est pas tout à fait convenable par rapport au judaïsme traditionnel. Bon, c'est la scène fameuse où Jésus, on lui dit « ta mère et tes frères sont là à la porte » et où il dit « mais que m'importe ma mère et mes frères, ce qui compte pour moi, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, etc. » Donc, il y a plusieurs fêtes. Alors, évidemment, ça ennuie beaucoup l'Église catholique parce que reconnaître qu'il y ait des frères à Jésus, ça... enlève tout un pan sur Marie toujours vierge, si vous voulez. Moi, je crois d'une part que si Jésus s'est fait complètement homme, qu'il ait vécu dans une famille normale,
On dit toujours la Sainte Famille. La Sainte Famille, s'il y a un père et une mère qui n'ont pas de relation entre eux, autre que simplement spirituelle et sentimentale, et un seul enfant, ça ne me semble pas une famille type que l'Église catholique promeut par ailleurs. Mais la vérité historique qui importe, c'est que plusieurs fois dans les évangiles, il est question des frères de Jésus, et que même Paul, saint Paul, à un moment, bon, il y a le chemin de Damas, et il reste à Damas pendant un certain temps. Et ensuite, il va à Jérusalem, et il écrit « Je suis allé à Jérusalem, et j'ai vu Pierre et Jacques, le frère de Jésus ». Donc ce Jacques-là est très important, comme c'est peut-être été le premier pape plutôt que Pierre, d'ailleurs, on ne sait pas très bien. Et donc l'Église dit, mais frère, ça pouvait vouloir dire cousin. Seulement quand Paul parle d'un cousin de Barnabé, Barnabé c'était un disciple de Paul qui l'accompagnait dans ses voyages, etc. Il parle de cousinage à propos de Barnabé. Eh bien, il emploie un autre mot grec pour dire cousin, donc il n'emploie pas le mot frère. Donc on peut penser sérieusement qu'il avait des frères. Et il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph qui parle de l'existence de Jésus. Et on est très content dans l'Église catholique d'utiliser Flavius Joseph en disant voilà, quelqu'un qui n'était pas catholique, qui n'était pas chrétien et qui reconnaît l'existence de Jésus et sa mort, etc. Flavius Joseph parle aussi des frères de Jésus. Alors d'abord, il est décrit et pas décrit. On n'a aucune description physique de lui. Saint Augustin se lamentait, il disait « on n'a aucun portrait de lui et ni de sa mère », disait-il. Effectivement, bon, et même ni de son père. Mais bon, tant qu'on ne sait pas à quoi il ressemblait vraiment, on ne sait pas. Il devait certainement être grand, très grand, et il en imposait. Et ça se recoupe avec certains textes évangéliques. Quand il revient parmi les siens et qu'il est rejeté, on veut le précipiter du haut d'une falaise, eh bien, il passe au milieu d'eux. Donc, il impose. Donc, vous dites 1m75, 1m85. Peut-être même davantage, d'après un chercheur, en tout cas. Voilà, alors on part de ce point de vue. 77, 79 kilos, et puis... Ce visage que l'on connaît dans toute l'iconographie. Alors là, encore une fois, évidemment, je m'appuie sur le linceul de Turin, que je considère comme authentique jusqu'à preuve du contraire. Ces caractéristiques morales, on peut les déduire de l'enseignement qu'on a reçu de lui. C'est-à-dire, c'était d'abord, je pense, quelqu'un de radical, une personnalité radicale. Frédéric Boyer. Quelqu'un qui a suivi un chemin personnel extrêmement ambitieux et quelqu'un qui était charismatique. Donc, ça devait être une très forte personnalité, ne serait-ce que pour susciter un tel engouement, parce que ça, en revanche, on ne peut pas ne pas se dire qu'il a dû, sur les chemins de Galilée et de Judée, susciter un engouement réel, probablement plus que d'autres. Après, c'était un radical qui était très original, puisqu'il n'a pas versé apparemment dans le radicalisme de beaucoup de ses compatriotes, qui étaient aussi des révolutionnaires et qui ont poussé même à prendre les armes contre l'occupant romain, et ou même des apocalypticiens, si vous voulez, qui étaient beaucoup plus fous que lui et qui même prenaient la fin concrète du monde, etc. Lui n'était pas, de son enseignement, on ne peut pas déduire cela. Donc c'était un mix d'une personnalité très originale, qui était à la fois radicale, très exigeante, et en même temps, mu par une infinie compassion. Et je pense que son charisme naît de ces deux composantes. Pour moi, le moment le plus fort, c'est justement, curieusement, le moment où colérique. Et donc, je pense toujours à cette anecdote du figuier. Visiblement, on n'est pas du tout à la bonne saison dans l'évangile. Et il arrive devant un figuier qui ne donne pas de figues, parce que cette saison-là, on ne donne pas de figues. Et donc, le fait que le figuier ne lui donne pas de figues, il s'énerve et il... comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Il pourrit en fait le figuier sur pied et le condamne au dessèchement absolu, uniquement parce qu'à ce moment-là, le figuier n'a pas répondu à son caprice en réalité. Et après, il raconte que
avec la foi, on déplace les montagnes. C'est quand même... Voilà, pour moi, là, à la fois dans la collusion presque incompréhensible des forces entre la phrase extrêmement hiératique sur la foi, etc., et en même temps ce geste complètement capricieux, pour moi, c'est dans ces endroits-là que le charisme est le plus opérant, en fait. C'est quand il y a quelque chose d'illisible ou d'indécidable. Beaucoup plus que dans des comportements autoritaires ou dans des phrases trop lisibles, voire avec lesquelles on pourrait être immédiatement d'accord ou je sais quoi. Il faut qu'il y ait ça. Et voilà. Il y a ça plusieurs fois dans l'Évangile. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il est toujours dans le contre-pied. C'est quelque chose de très juif à l'époque, effectivement, et même peut-être encore, l'esprit juif se forme comme ça. Mais dès qu'il rencontre quelqu'un, dès qu'il est dans une situation ambiguë, ambivalente, ou dès qu'on le provoque, voilà, il a toujours l'art du contre-pied pour déplacer la provocation. Finalement, lui, il déplace aussi le rôle du guérisseur. Il guérit, mais en même temps, il dit « ce qui t'a guéri, c'est pas ma puissance de guérison, c'est ta foi, c'est ta confiance ». Il va vers les bandits, il va vers les prostituées, il va vers les réprouvés, et il dit à tout le monde « ben voilà, ce sont des personnes dignes de confiance, ni plus ni moins que vous ». Et alors, ça n'était pas contradictoire avec la tradition religieuse de l'époque, avec sa religion, mais il radicalisait les termes de cet enseignement. Jésus est certainement un juif pieux. C'est... là, disons presque une redécouverte due aux historiens israéliens ou de religion juive, que ce soit David Fusser, Shalom Ben Shorim, Jacob Neuscher, nous montrant quelqu'un qui est profondément enraciné dans le milieu culturel de son temps, proche des pharisiens, du groupe des pharisiens, même si on voit Jésus s'opposer et discuter très vivement avec les pharisiens, il est très proche d'eux puisque les pharisiens croient en la résurrection, en la relevée des morts. Alors que l'autre groupe, ces aristocrates proches des grands prêtres, les Sadducéens, eux, ne croient pas en la résurrection des morts. Le problème est donc, en effet, un juif pieux, mais pas un juif ordinaire, pas un juif marginal, comme on l'a dit. Il étonne par son message. C'est l'annonce du royaume, l'annonce bien sûr infinie de Dieu, le pardon offert à tous, l'intériorisation de la loi, le décalogue, il faut intérioriser la loi. Ce qui conduit à, de la part de Jésus, une grande exigence, un durcissement même de ses exigences en matière de divorce, en matière de jurons, même de sexualité, où il dit le décalogue interdit l'adultère, mais Jésus dit celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Donc il faut vraiment faire sienne la loi, et non pas un catalogue extérieur. On peut dire donc qu'il prolonge la religion juive de ce point de vue, et il la prolonge très loin, puisqu'il dit qu'il faut aimer son prochain et aimer même ses ennemis. Là, on va bien au-delà de ce que recommandait le rabbin Hillel ou le rabbi Shammai. Mais ce n'est pas non plus un sage ou un philosophe. On s'aperçoit que le message est lié au messager et que le royaume, c'est lui. Et ce qui frappe encore plus, c'est l'autorité inouïe avec laquelle il parle. Il dit « Moïse vous a dit de faire ceci, moi, je vous dis de faire cela ». Alors qui, moi? C'est là la grande question. C'est l'artisan de Nazareth qui travaillait avec son père. C'est pas possible. Il y a en tout cas un mystère autre. Le petit groupe qu'il avait constitué, on dit les 12, mais il n'y avait pas que les 12, et il y en avait d'autres autour, bien sûr. Et puis il y avait différents degrés, et il y avait ceux qui étaient proches de lui, ceux qui étaient un peu moins. Bon, ils se réunissaient, semble-t-il, au début, chez une dame dont on ne parle jamais, seulement c'est Paul, je pense, qui en parle, la mère de l'évangéliste Marc. Elle devait avoir bien du courage, cette dame, parce que quand même, ils étaient un peu poursuivis.
C'est comme si, à l'époque de la Résistance, des gens se réunissaient clandestinement chez une dame déterminée. Ce sont des gens très simples, on le voit, des pêcheurs, deux frères, Jacques et Jean, André et Simon, qui sont des frères, des artisans, des petites gens, y compris Judas. Alors Judas, on a un mystère, est-il vraiment un Galiléen comme les 11 autres? Vient-il de la ville de Kériote, qui serait une petite ville de Judée? Bon, on ne sait pas bien. Mais ce sont des gens très simples, et probablement la plupart illettrés, sauf sans doute Matthieu, Lévi dit Matthieu, qui était le chef du bureau des douanes de Capharnaüm. Évidemment, il savait lire, écrire, compter, bien entendu. Et c'est lui à qui on a demandé, très probablement, d'écrire une première version de nos textes évangéliques. Et donc, c'est une structure très organisée? Alors, c'est une structure qui est symbolique et qui, finalement, va disparaître assez tôt dans l'histoire de l'Église. Les douze, ça symbolise la plénitude de l'Israël. Elle ne se reproduit pas. On va élire à la place de Judas un autre, Matthias. Et puis c'est tout. On ne nous raconte pas dans les Actes des Apôtres, en tout cas, que ce groupe perdure très longtemps. Et que font-ils au quotidien alors du temps de Jésus-Christ, de sa vie terrestre? Alors ils accompagnent Jésus. Ils ont fait partie des disciples envoyés en mission par Jésus à un moment donné de son ministère. Probablement avec d'autres aussi. On a parlé de 72 disciples envoyés deux par deux pour préparer, pour annoncer. Alors, on a peu de renseignements sur cette mission. Il semble que Jésus ait tâtonné d'un point de vue pédagogique pour essayer de répandre son message, en parallèle d'ailleurs avec, pendant quelque temps, l'activité des baptistes autour de Jean le Baptiste. Ça, c'est Jean qui nous le révèle très, très nettement. C'est qu'à un moment donné, il y avait deux groupes concurrents qui s'étaient répartis un peu les territoires entre Jésus et Jean le Baptiste. Jean le Baptiste attendait un Messie qui allait immédiatement juger le monde et qui allait sévèrement condamner ceux qui s'étaient écartés de la foi d'Israël. Il a sa peine à vanner, il va battre son nerf, et puis la balle, il la brûlera. Or, Jésus parle de façon tout à fait différente. Il annonce un message d'amour, de pardon, de miséricorde, au point que Jean le Baptiste va, dans sa prison de Macéronte, envoyer des disciples auprès de Jésus en disant « As-tu celui qui doit venir? Est-ce qu'on ne doit pas en attendre un autre ?» Donc là, on sent qu'il y a un décalage entre Jean le Baptiste qui a révélé Jésus au moment du baptême, et puis l'attente messianique de ses disciples et peut-être aussi de Jean lui-même. Ce qui est plutôt stupéfiant dans cette histoire-là, c'est qu'apparemment sa prédication a duré 2 ou 3 ans. C'est quand même peu pour constituer toute une bande aussi forte. Qu'ensuite elle s'est achevée lamentablement quand même. Et il y a sûrement eu quelque chose de plus qu'on ne peut pas connaître, mais qu'on peut supposer pour créer une telle étincelle et un tel brasier. Mais il faut le dire aussi, c'est-à-dire ça n'est pas simplement sur son enseignement que le Christ est devenu cette figure du christianisme et de cette nouvelle religion. C'est aussi parce que derrière, il y a eu d'autres étincelles très fortes, et notamment l'étincelle décisive, mais qui était, je pense, déjà en gestation dans ce monde décomposé, c'est-à-dire que cette religion juive, cette tradition du judaïsme ancien, allait tout d'un coup donner naissance à un surgeon qui allait s'adresser au monde non-juif. C'est capital, ça. Et ils s'appelaient entre eux les saints. Et ça, c'est très important parce que la Bible des Juifs dit que Dieu seul est saint. Et la sainteté va devenir quelque chose qui est acquise à tout le monde à partir du christianisme. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu et homme à la fois. C'est la révolution chrétienne, ça, parce que c'est incroyable qu'un Dieu soit homme. Vous dites ça aux Grecs, pas possible. Vous dites ça aux Hindous, c'est pas possible. Vous dites ça. Il n'y a que les chrétiens qui osent dire une chose pareille, qu'un Dieu soit homme à la fois. C'est vraiment ce qui est le plus incroyable dans le christianisme. Mais en même temps, si un Dieu est homme à la fois, les hommes peuvent être Dieu. Vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, là, pas seulement d'être les copains de Dieu, d'être un jour au paradis avec lui, mais d'être Dieu aussi. Puisque Jésus, c'est le pont qui permet à l'homme d'être Dieu.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus, Patrick Bannon, dans la figure du Christ ? L'immense avancée humaniste que le message représente. Au départ, je dis au départ parce qu'après ça a changé malheureusement, mais au départ, le féminisme qui est vraiment présent, c'est-à-dire le fait que la femme comme l'homme ont accès à la connaissance, à l'étude des textes, que par exemple Marie de Magdala est considérée initiée, que c'est à des femmes qu'il va dévoiler son message messianique ou son statut même, c'est à des femmes qu'il va apparaître en premier. Et je rappellerai quand même qu'au moment de la crucifixion, il n'y a que des femmes, les apôtres, ils ont disparu, hein, à part Jean, les autres, ils ont disparu. Donc vraiment, il y a une humanisation des relations entre l'homme et la femme. Il y a une distance qui est prise avec la sexualité, qui en fin de compte crée une hiérarchie. Le fait que l'homme et la femme, dans l'autre vie, se retrouvent pour ne faire qu'un être qui est libéré justement de cette organisation sociale liée à la sexualité, c'est vraiment une avancée. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui quand on se bat pour les droits des femmes. Hein. Et comme, et ça je suppose que vraiment c'était compris dans la réflexion de la philosophie chrétienne à ce moment-là, c'est que toutes les différences dépendent du statut homme-femme. Donc s'il y a une égalité homme-femme, qu'on est libéré de ces préjugés liés à la sexualité, tout d'un coup, toutes les autres différences n'ont plus de sens. L'appartenance à la terre. On remarquera que le judaïsme, lui, est lié à une terre sacrée. Le christianisme, c'est une émancipation de la terre. Et nous sommes aujourd'hui, d'ailleurs, dans une mondialisation où les démocraties s'émancipent de la terre aussi. Donc, c'est vraiment une avancée, voilà, sociale, culturelle. Le rapport aux orientations sexuelles, pareil. Puisque, à partir du moment où la sexualité n'est plus au centre de la discussion, il n'y a plus de hiérarchie à faire entre ce qui est acceptable, pas acceptable, pur, impur, etc. Donc vraiment, c'est une avancée. Ça ne va pas durer longtemps, parce que le patriarcat frappe toujours très fort après, mais c'est une vraie avancée. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc Jésus meurt sur la croix, on le décroche, Joseph d'Arimathie demande à ce qu'il soit amené dans un tombeau, le recouvre du suaire. L'historien que vous êtes, ensuite, s'arrête-t-il là ou est-ce qu'il y a des indices de la résurrection de Jésus-Christ ? Alors, l'historien, évidemment, doit s'arrêter devant le mystère. Et donc, le travail de l'historien s'arrête devant deux faits. Premièrement, c'est le tombeau vide, avec le linge affaissé sur lui-même, comme si le corps avait disparu de l'intérieur, c'est un mystère. Et puis le suaire qui avait été sur sa tête, nous dit Jean, roulé à part. Quelle explication trouver ? Il n'a pas à en donner. Simplement, on peut voir, il y a quelque chose qui a troublé les scientifiques, c'est que sur le linceul de Turin, le modelé des caillots est absolument parfait, des caillots de sang. Et donc, c'est comme si on n'a aucune trace d'arrachement, c'est-à-dire qu'on n'a pas arraché, enlevé le linceul sur le corps mort de Jésus. Que s'est-il passé entre le samedi et le dimanche ? On ne peut pas le dire, mais simplement, il y a quelque chose de troublant. C'était Une vie, une œuvre, aujourd'hui consacrée à la figure de Jésus-Christ. Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Anne Sécheret avec Jean-Christian Petit-Fils, historien, auteur d'une biographie de Jésus chez Fayard. Jacques Duquesne, journaliste et auteur de livres sur Jésus et Marie. Patrick Bannon, auteur de Jésus, la biographie non autorisée à paraître chez Michel Lafon. Frédéric Boyer, spécialiste des textes bibliques et auteur également de Sexilembe chez POL. Enfin, Tanguy Viel, écrivain, auteur de Cet homme-là, aux éditions DDB. Au mixage cette semaine, c'était Bruno Martin, attaché de production, comme toujours, Laurence Genepin. Le problème n'est pas de croire ou non en la résurrection. La résurrection, on ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, ce qui est très fort dans cet enseignement-là, l'enseignement qu'on a reçu, en quelque sorte, de cette histoire de sa mort, c'est que la mort n'est pas la fin du récit. Voilà. C'est ça la force de cet enseignement. C'est pas la fin. Voilà. Il est mort, mais c'est pas la fin. Et donc, du coup, vous avez une espèce d'impulsion pour créer une histoire nouvelle. Oh, come thou day spring, come and cheer.
our spirits by thy atmosphere. Disperse the gloomy clouds of night. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner au podcast d'Une vie, une œuvre afin de recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes. N'hésitez pas non plus à fouiller dans nos archives depuis septembre dernier si vous souhaitez découvrir ou réécouter les anciens numéros.